trois choses qu'il ne faut jamais dire à une femme en début de relation. Si vous êtes en début de relation là, ou bien tu es en train de flasher sur une femme, voici déjà les choses que tu ne dois pas lui dire ou ne dois même pas lui demander. Trois choses uniquement. La troisième chose, alors non, si tu demandes ça, non. Dès qu'elle ne t'attend même pas qu'elle te dise la vérité, elle ne te dira jamais la vérité. La réponse qu'elle va te donner là, non, prends ça seulement comme ça. Donc, prends seulement, tu gardes. Ce n'est pas la vérité d'office. Et ça ne sert à rien que tu lui demandes ça. Quand tu demandes ça, même, ça l'énerve seulement. Première chose à ne jamais dire à une femme en début de relation. Toutes les femmes sont pareilles. La phrase que je viens de prononcer là, toutes les femmes sont pareilles, ça nous met dans un état, mais vraiment hors pair. Ça nous met hors de nous. Avec une la phrase là nous insupporte, mais à un point, vous n'avez pas idée que toutes les femmes sont pareilles, toutes les femmes sont comme ça, toutes les femmes. Non. Parce que nous, les femmes, on aime se sentir unique, on aime se sentir particulière. Donc, tu ne peux pas accoster une femme et déjà au début, tu commences à dire que non, toutes les femmes sont pareilles, toutes les femmes sont montées, toutes les femmes sont comme ça. Non. Tu perds directement les points. Il faut savoir que dès qu'elle va rentrer, elle va te bloquer. Quand tu vas lui écrire, elle ne va même pas te répondre. Donc, arrêtez de nous généraliser. On aime se sentir particulière parce que chaque femme est unique. Donc, les discours comme quoi toutes les femmes sont pareilles, faire des généralités là, non, ça ne marche pas. Deuxième chose qu'il faut éviter de faire à un début de relation, ou bien même de dire à une femme au début de relation, c'est que ouais, c'est la première fois que ça arrive. On sait que vous mentez. On sait que, parce que les hommes, souvent, après le premier rapport, ils aiment souvent faire, vu que c'est sorti vite, ils commencent à dire que non, en fait, c'est la première fois que ça arrive. On sait que c'est comme ça que tu es, papa. C'est ta nature. On sait ça. Ça ne sert à rien que vous nous dites encore ça. On avait déjà compris votre carte là. On connaît le jeu. Que non, c'est pas, c'est la première fois. C'est pas la première fois que ça t'arrive. Après un rapport comme ça, là, comme il a vite joie, là, il commence. Non, la première fois que ça arrive, on sait que ce n'est pas la première fois. Dis la vérité. Ou bien mieux tu te tais. Mieux tu te tais, c'est mieux. On connaît déjà, donc on ne parle même plus. La troisième chose, il ne faut même pas demander, il ne faut même pas dire à la femme. C'est qu'avant moi, tu as connu combien de moussons? Tu as connu combien d'hommes avant moi? Parce que la réponse qu'elle va te donner là, ce n'est jamais la vérité. Je te dis déjà la vérité. Au syndicat, on connaît, au syndicat, on sait que si un homme te demande, tu as connu combien d'hommes? Un, maximum deux. Le premier homme et le précédent, ça fait deux. Donc, le premier homme et le précédent, deux. Donc, ça sert à rien que tu demandes parce que la réponse sera toujours deux. Parfois, même c'est un, la réponse. Parfois, c'est deux. Donc, ne pose même pas la question. Entre nous, les femmes, le syndicat a voté que ce sera soit un, soit deux. Maximum, c'est deux. Donc, comme je t'ai dit là, ne demande plus à une femme. Parce que si tu demandes ça d'abord, tu n'auras pas la vérité. Et puis, ça va même la refroidir. Mais pourquoi tu me demandes ça en fait? Ce n'est pas important en début de relation. Tu n'as pas besoin de cette information-là. Donc, voici les trois choses à ne pas demander à une femme en début de relation.